L'affaire, qui porte le nom du principal accusé, Kamel Chiki ou Kamel El Boucher, concerne la saisie par l'armée de 701 kg de cocaïne début juin 2018 à Oran. Quelques jours après cette saisie, le 26 juin, Hamel, alors DGSN, déclarait « Celui qui veut lutter contre la corruption doit être propre. Il y a des dépassements lors de l'enquête préliminaire, mais les juges étaient vigilants », avait-il relevé. Le jour même, il a été limogé par le président Abdelaziz Bouteflika. Ce lundi, Hamel a comparu devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tipaza dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pour présomption de corruption, sans qu'aucune accusation ne lui soit portée en cette première audition. Take a body, call. Take a body, call. Take a body,